Salut les gones, salut les notes mmh. Voilà, j'espère que vous allez bien. Les pouces, et abonnez-vous. Les pouces et abonnez-vous. On va parler de, 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 de ce super match, de, de, de cette mi-temps absolument extraordinaire de, de notre OL. Voilà. Euh, ima mais imaginez-vous. Là, on est 400, là. Alors mettez-moi les pouces et abonnez-vous. Imaginez-vous là, deux secondes à ma place. Donc j'ai un peu changé le format, vous avez vu, de, de l'environnement. Imaginez-vous, mettez-vous 30 secondes à ma place. Je vais être obligé de parler de cette mi-temps. Alors, les opportunités, les, les ambitieux, les tous les gars, là, ils diront oui, mais on gagne à zéro. C'est vrai qu'on gagne à zéro. Mais maintenant, je dois, je dois parler du match. Hmm. Soit on ne va pas parler du score. On va parler du match. Ouais. Hmm. Mmh. Ouais Bah alors là j'ai envie de vous dire Je me souhaite bon courage à moi Voilà je me souhaite moi même bon courage Quand je vois de la merde comme ça Du caca Je me souhaite bon courage à moi tout seul Voilà on va remercier Lopez hein. On va remercier Lopez euh, qui, se crédite, euh, qui se crédite De pas mal d'arrêts hein. On va remercier Lopez euh, qui nous évite d'être totalement ridicule euh, Pour parler propre euh, je sais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous... qu ce que vous voulez que je vous dise? Euh, Lyon, c'est absolument dégueulasse. Voilà, ce qui est devenu mon Olympique lyonnais. C'est, c'est affreux. C'est affreux. C'est, c'est, moche que ça, on peut plus. Euh, on joue le maintien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? S'il y en a qui pensent autre chose, vous me le dites. On est en train de jouer face à un concurrent direct pour le maintien. Et d'ailleurs, on est dominé. Voilà, on est 560. S'il y en a qui ne sont pas d'accord, dites-le-moi. Il faut être réaliste, hein. On a, on a deux tirs maximum, je crois. Hein, je vais vous le dire, on a deux, trois tirs hein, euh, maximum. Il ne faut, faut pas se mentir, il faut arrêter de se foutre des œillères comme ça. Cette équipe vous le maintient. Voilà, on va espérer d'aller chercher trois points. C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise voilà on a, on a un tir cadré. Voilà. But. On a un tir cadré. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Ils ont quatre tirs cadrés, huit tirs au total. Ils nous ont bouffé de la tête et des épaules. On a été un peu mieux après le but. Ils ont, ils ont accusé le coup. On va pas se mentir. Ils ont accusé le coup. Mais c'est lamentable dans le jeu. C'est exécrable. On a bouffé la soupe pendant... jusqu'au but. Donc, je ne sais pas à combien de minutes on met le but. Hein on met le but à la 20e minute. Donc, pendant 20 minutes, on est totalement ridicule. Et ensuite, derrière, derrière, on, on, on... ils accusent le coup. Donc, on a 10 minutes. Je ne dirais pas qu'on est bon ou on est moins ridicule. 10 minutes où on est moins ridicule. Et après ça... Euh, « Merde, j'ai une crampe. Et après ça, euh, et ben on retombe dans nos travers en continuant d'être mauvais. Donc ils nous ont bouffés tactiquement, ils nous ont bouffés techniquement, ils nous ont bouffés euh, à tous les niveaux en fait. Il y a, y a pas un truc où je nous ai trouvé bon. Si au score, on gagne un zéro, voilà. Alors je vais me contenter de cette victoire. Hein. Si on gagne comme ça, je serais très content parce que euh, comme j'ai pu le dire à certains, un match nul. Euh, 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 face à un concurrent direct à l'extérieur, c'est un bon point. Euh, voilà. J'aimerais parler aussi individuellement. Mazef, Et... qu'est-ce qui t'est arrivé, Kacré qu dit... Franchement, qu'est-ce qui... comment c'est possible de devenir aussi mauvais Je, 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 je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots. Je ne sais pas quoi dire tellement le niveau est désastreux, de Kacré. Merci quand même à Barcola qui est pas trop mauvais, qui influe quelque chose, je trouve, côté gauche. Il faut se dire que c'est un gamin et il nous propose des choses. Un bon pressing aussi de la casette qui le fait seul. Hein. Bah oui, bah bien entendu. Voilà, on a un Cacré qui fait du pressing seul. De toute façon, on n'a que ça. Euh... Qu'est-ce que vous voulez que je débatte d'une mi-temps comme ça Je suis en train de parler avec vous là. Euh, on est 700 quasiment. Mettez-moi les pouces et abonnez-vous. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de ce. Cette... De... 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 De ce qu'on vient de voir, de cette chasse qu'on vient de voir. Sérieux. sérieux. C'est moche. Et on dirait, bah voilà, on dirait deux équipes de re, qui jouent la relégation, qui se battent un peu. Voilà. Il y en a une qui va sortir victorieuse de ce match. On ne sait pas comment. Je ne sais pas si on va tenir la deuxième mi-temps, quand même. Voilà. Le, Deran Lovre, de, Lovren, qui est pas mauvais aussi sur cette première mi-temps, qui, qui influe un petit peu, je dirais, euh, euh, de hargne, un petit peu d'expérience, un petit peu de sérénité. Un bon Lopez, euh, un Corentin Tolisso assez neutre mais qui ne fait pas d'erreur, euh, un bon Barcola, et euh, voilà, Cherky qui n'arrive qui pas du tout à ce poste-là, euh, du coup que ça ne s'entend pas avec Oumendi, ça, ça a du mal à, à faire des combinaisons, un Tagliafico aussi en dedans, je trouve euh, difficile pour lui. C'est voilà, un bon Le Penant voilà, qui se crédite d'un but, Il lui aura pas fallu 4 ans hein, pour marquer un but, contrairement à certains, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, voilà, je trouve qu'on n'est pas bon, hein. je vous le dis clairement. Moi, je me trouve extrêmement mauvais. Euh, Duomande, alors vous, vous mettez euh, le pénant magnifique. Ouais, le pénant qui se crédite d'un but. Euh, le futur du club m'inquiète euh, fortement. Ouais, mon Julien, j'ai envie de te dire, bon, celui qui n'est pas un clé, c'est un, un aveugle, en fait. Ce ceux qui font les aveugles, comme Jean-Michel Olas euh, continuez, c'est bien. C'est bien, continuez de faire les aveugles. Continuez, continuez. Voilà, c'est bien. Euh, voilà. Euh, alors, mon père qui dit on perdrait, tu dirais quoi Bah, euh, je dirais qu'on est la même chose en fait, tu vois. Parce que là, on gagne, je dis qu'il n'y a que le résultat qui est bien. Parce que là, il n'y a que le résultat qui est bien. Hein. Ce que je vois, c'est de la bouillie, de la bouillie footballistique. Donc, je dis qu'il n'y a que le résultat qui est. La semaine dernière, quand on perd face à Strasbourg, bah, je dis qu'on a bien joué, mais qu'on a perdu contre le cours du jeu. Je dis la vérité. Moi, je suis là pour dire des vérités, pas pour faire comme ça. Oh, mais c'est bien, on gagne 1-0. Hein. Ah, oh, on gagne 1-0. C'est bien dans le résultat, en fait. C'est tout. Il n'y a, a que le résultat. À l'heure actuelle, là il n'y a que le résultat. T'en penses quoi des déclarations de Molina sur l'OL J'en pense qu'en fait, tout ce qu'il a dit, euh, ben, certains savent ce, que, savent ce que je pense de Molina, mais tout ce qu'il a dit est de ce qu'on est venu me souffler, c'est vrai. Inquiétant. Hein mmh. Ce qu'il est en train de dire du club, là, c'est vrai. Apparemment, c'est vrai. On est venu me confirmer les propos de Molina. Euh, voilà, il manque de l'agressivité, euh, d'envie, il manque de technique, de tactique, euh, d'agressivité, d'envie, euh, de cohésion, euh, du, 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 il, il, il manque beaucoup de choses. Hein. Le, franchement, hein. je vous le dis, mettez-vous à ma place deux minutes. là. Imaginez-vous, vous êtes devant un écran et vous êtes obligé de parler de ce que vous venez de voir. Là. Vous allez voir que vous n'allez pas tenir longtemps, hein. ça fait déjà 7 minutes 45 que je suis là. Je peux vous dire que heureusement qu'il y a le générique. Hein. Parce que c'est compliqué pour moi, hein. c'est compliqué. Il hein. n'y a pas quatre passes qui suivent, il n'y a rien, il n'y a rien. Je suis en train de faire une, une, une déballe sur rien. Voilà, ouais, c'est le, 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 le dur format, c'est la dure réalité des choses, des clubs qui jouent le maintien. C'est comme ça pour tous les clubs qui jouent le maintien. Hein. Ils sont obligés de, de, de parler de rien. Il n'y a pas de beaux jeu, il n'y a rien. C'est absolument catastrophique. Voilà, donc euh, c'est catastrophique. Et je ne vais pas vous mentir que je suis très content si on prend trois on prend points. Parce que je me dis qu'il faut gagner 4 matchs pour être sûr de ne pas être relégué. Donc, ça voudrait dire qu'il n'en resterait plus que 3. Donc, je serais très content si on gagnait. On parlera tout à l'heure en débrief d'après-match des déclarations absolument minables d'Olas. Minables Et je pèse mes mots sur, sur Junio Et naturellement sur le Cacheru. Hein, on en parlera aussi tout à l'heure de ça. Vous savez, vous savez le, le mec extrêmement compétent. Extrêmement compétent. On est le, on est le 29. Et euh, on n'a toujours pas de recrue extrêmement compétent. Lyon est dixième au classement, extrêmement compétent. Voilà. Et les faits font que la nouvelle petite recrue qui va arriver, Sar, euh, nous dit euh, très content de signer à l'OL. Nous aussi, on est content de t'accueillir. Euh, surtout que j'ai été appelé dans la semaine. Ça veut dire que Cherou n'avait jamais appelé Sar avant cette semaine. Pour un mec qui est exemplaire et qui bosse bien. Ça doit beaucoup travailler en amont. On t'embrasse, mon roux On t'embrasse. Pour un mec qui bosse, je ne sais pas si on a même vision de bosser. Parce que quand on veut recruter quelqu'un, je pense qu'il faut travailler avant la période du mercato, mais bien avant quasiment tout signé et qui signe le, le, les premiers jours du mercato. Ça, j'aurais appelé ça bosser. Voilà. Avec des profils. Parce que du coup, euh, Laurent Blanc elle avait demandé profil expérimenté euh, et c'est ce qu'on a. C'est ce qu'on a. Botafogo, Jeffrigno qui va arriver, Jeffrigno qui va arriver, 23 ans, première saison à haut niveau. Euh, Sar, 22 ans, il joue en Eredivisie, il joue à, à Malmo avant, première saison. Et on va avoir aussi euh, le petit 22 ans isidore Voilà, voilà. Très bon, très bon profil, euh, chez vous On t'embrasse. On en parlera tout à l'heure de ça. On en parlera tout à l'heure de de voilà, de ces expériences que, que nous recrute euh, notre, notre très cher Chirou. Et je leur, euh, je, leur, je leur souhaite une bonne arrivée aux joueurs parce qu'ils n'y sont pour rien à l'incompétence de notre direction. Et je leur souhaite que du bien parce que ça voudrait dire que Lyon revient sur le devant de la scène. Donc moi, je souhaite que des bonnes arrivées à ces joueurs de joueurs. Voilà. Mais c'est un petit message à la direction qui est apparemment exemplaire et extrêmement compétente. Voilà. On va espérer qu'on gagne ce match c'est très important. J'aimerais au moins voir 3-4 passes d'affilée, ça serait bien. Un peu de jeu, je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh... Deux trois trucs intéressants en deuxième mi-temps, qu'on puisse débattre de quelque chose que j'arrive à faire des sujets. Euh, une victoire au bout, c'est très important ça, par contre. Malgré tout, euh, ça, je suis d'accord. On en a vraiment besoin de gagner. Euh... Voilà. Et, et puis euh, on va espérer aussi de, une bonne recrue en numéro 6, un mec euh, solide euh, et tout ça, expérimenté, mais on va aussi espérer un créateur. Hein, parce que, bon, euh, Vu ce qu'on a sur le banc, j'ai envie de vous dire, à part remplacer Diomondé par Boateng euh, et peut-être même changer de schéma en jouant en 3-5-3, euh, c'est-à-dire en enlevant les ailiers parce que ça ne sert à rien. Et euh, je ne sais pas comment jouer, mais en gros, peut-être changer. Euh, changer de, de, de schéma de jeu et jouer défensif pour essayer d'aller chercher, euh, chercher quelque chose. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne deuxième mi-temps. Je vous embrasse, je vous dis à tout à l'heure. On est plus de 600. Mettez les pouces et abonnez-vous. Ciao les goins, ciao les phonotes Et allez LoL. C'est important les trois points. Allez LoL.